faire. Donc, bienvenue. Merci beaucoup de vous être joints à nous. On est déjà 98 dans la rencontre, mais on va probablement être plus d'ici quelques minutes. Pour commencer, on est trois là, à être employés de saisonnier, à être parmi vous ce soir. Donc, on va se présenter là, très brièvement l'un après l'autre avant de débuter la rencontre. Donc, moi, c'est Certain. En fait, Myriam Rouleau, alias Certain, mon nom de camp. Je suis au saisonnier depuis janvier 2020. Je suis maman de deux enfants, dont un qui est à côté de moi en ce moment, que vous voyez arriver dans l'écran, qui ne veut pas se coucher. Donc, il va être parmi nous ce soir également. Je suis adjointe administrative au saisonnier, donc tout ce qui est question d'inscription, fonctionnement du camp. Je commence à être assez connaissante là, dans le domaine. C'est mon troisième été là, de 40 jours au saisonnier. J'invite maintenant mes deux collègues. On a Stratego et Trompette qui vont se présenter. Alors, bonjour tout le monde. Moi, mon nom est Hugo Rose, alias Stratego, coordonnateur classe nature accueil de groupe. Plusieurs personnes me connaissent probablement dans les parents, vu que je suis éducateur en service de garde pour vos enfants à l'école Montagnac de la Montagne. Alors, j'entends mon sixième été au centre de plein air des saisonniers avec l'équipe. Très grand connaisseur, même l'encyclopédie du centre de plein air. Fait au niveau des informations, il semblait nécessaire que je sois là avec vous ce soir pour répondre à toutes vos questions et vos inquiétudes. Alors, je laisse ma dernière collègue vous se présenter. Bonjour à tous. Bon, moi, c'est le chef d'idée qui venait me voir. Je suis désolée. Donc, Moira Lepage, alias Trompette. Je suis présentement directrice des programmes. Je suis vraiment désolée. Donc, directrice des programmes, en fait, je suis sur le remplacement du congé de maternité de Nello, qui est normalement à ce poste-là, mais qui est avec son petit Coco présentement. Donc, c'est mon premier été au saisonnier, mais c'est mon huitième été en général dans les 40 jours, là, sous différents postes. Donc, c'est pas mal ça. Donc, je reprends la parole pour commencer avec le point 1 sur l'ordre du jour qui est avant le camp. Je tiens à préciser aussi que si vous avez des questions là, pendant la rencontre, on vous invite à les poser dans le chat. Vous allez ensuite pouvoir, à la fin, il va y avoir une période de questions. Donc, si vous n'avez pas posé vos questions dans le chat puis que vous voulez nous les poser là, directement, on vous demande d'attendre la fin de la rencontre, s'il vous plaît, pour poser vos questions. Donc, je commence avec la politique d'annulation. C'est une question qu'on se fait demander relativement très souvent. Notre politique d'annulation, elle est dictée par la protection du consommateur. Donc, c'est très flexible. Tant que la semaine de camp en question n'est pas commencée, vous avez le droit d'annuler avec un remboursement à 100 %, y compris les frais administratifs et les frais de la Sécu. Excusez-moi. Donc, comme je disais, vous avez droit à un remboursement là, à 100 % tant que le camp n'est pas débuté. Si vous désirez faire, quand je dis le camp n'est pas débuté, c'est quand la semaine de camp en question que vous désirez annuler n'est pas débutée. Donc, ce n'est pas le 27 juin pour tous les camps. Ça va vraiment semaine par semaine là, pour chacune des annulations. Ensuite, si vous désirez faire une annulation en cours de semaine, donc par exemple, votre enfant est venu le lundi, le mardi, ça ne s'est pas bien passé pour X raisons, votre enfant ne veut plus retourner au camp ou vous avez un autre empêchement quelconque, à ce moment-là, on vous rembourse les journées auxquelles votre enfant n'est pas venu au camp. Mais on se garde un pourcentage, là, le plus petit montant, soit entre 50 $ ou 10 % des frais restants. Donc, c'est ça qui en ce qui concerne notre politique d'annulation. Date limite d'inscription. Cette année, comme vous le savez, énormément de personnes sont, en fait, énormément d'entreprises sont affectées par la pénurie de main-d'œuvre. On n'y échappe pas, nous non plus. Comme plusieurs d'entre vous ont dû constater, toutes nos inscriptions actuellement sont fermées et il y a très, très peu de chances qu'elles rouvrent, malheureusement. On est encore à la recherche de certains animateurs pour certaines semaines.
Donc, on a pris la décision de tout fermer en date d'aujourd'hui là, pour être certaine d'y arriver avec le nombre d'animateurs qu'on a. Liste d'attente. Il y en a beaucoup d'entre vous. Excusez-moi, là, le son à côté. Il y en a beaucoup qui sont sur des listes d'attente, entre autres pour les premières semaines de juillet. En toute honnêteté, il y a très, très peu de chances, malheureusement, qu'on puisse rappeler des gens sur les listes d'attente à cause, justement, de la pénurie de main-d'œuvre. Même s'il y a des annulations et tout, ça libère des groupes peut-être pour lesquels on n'aurait pas eu d'animateur. Donc, si jamais il y a des gens qu'on rappelle qui sont sur les listes d'attente, on va vous appeler directement. Normalement, on n'envoie pas des courriels, on vous appelle directement et on vous laisse un certain nombre d'heures pour nous rappeler. Là, généralement, on laisse un 12 à 24 heures pour nous rappeler pour prendre la place. Si on ne vous a pas appelé, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas de place pour vous encore, malheureusement. Donc, je vous dirais que ça ne sert pas à grand-chose de nous appeler là, pour savoir où vous en êtes sur la liste d'attente. Là. Je vous dirais qu'en général, pour tout le monde, les choses sont très, très minces là, en date d'aujourd'hui, malheureusement. Ensuite, l'avant-dernier point, groupe et jumelage d'habits. On a justement commencé les groupes la première semaine de camp, le 27 juin. Donc, généralement, les groupes se font soit la semaine d'avant ou l'autre semaine d'avant, deux semaines avant, par exemple. On ne peut pas vraiment faire les groupes avant ça. Donc, si vous voulez savoir si vos enfants ont été jumelés ensemble pour une semaine au mois d'août, c'est impossible. On ne le sait pas en date d'aujourd'hui parce que les groupes vont se faire au courant de l'été. Jumelage d'amis, on fait vraiment toujours tout notre possible pour respecter les demandes de jumelage d'amis. C'est sûr que si vous marquez plusieurs noms dans la fiche santé, là, à l'endroit où vous avez indiqué là, avec quel ami votre enfant va être jumelé, c'est sûr que les chances sont moindres là, que quatre enfants soient jumelés ensemble, par exemple. C'est sûr qu'on va quand même les regarder, mais on ne peut pas vous garantir. Il faut prendre en considération aussi que le jumelage d'amis, ça se peut que ça ne fonctionne pas, surtout si les enfants ne sont pas du même âge. Si vous demandez un jumelage d'amis entre deux enfants qui n'ont pas le même âge, par exemple 6 ans et 10 ans, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas, c'est impossible parce qu'on ne met pas des enfants de 6 ans et 10 ans ensemble. Regardez-moi un petit peu. Excusez-moi pour cette petite pause. Donc, je parlais du jumelage d'amis. Comme je disais, un enfant de 6 ans, un enfant de 10 ans, c'est sûr que ça ne sera pas ensemble là, dans un même groupe parce que ça ne respecte pas les mêmes ratios. Ça m'amène au dernier point du point numéro 1, les ratios. Ça, c'est le nombre d'animateurs par rapport au nombre d'enfants dans un groupe. Donc, quand on parle des 6 ans, c'est un animateur pour 12 enfants cette année. Normalement, le ratio est de 1 pour 10, mais avec la pénurie de main-d'œuvre, l'Association des camps du Québec nous a permis de monter ce ratio-là jusqu'à 12. En fait, on peut mettre 2 enfants de plus dans chaque groupe d'âge. Donc, pour les 6 ans, c'est 1 pour 12. Pour les 7-8, 1 pour 14. Puis pour les 9-15, on est à 1 pour 17. Donc, nous, on fait tous les groupes en fonction de ces chiffres-là. Donc, comme je vous expliquais pour le jumelage famille, là, c'est vraiment en fonction des ratios parce qu'on ne peut pas mettre, par exemple, un 6 ans dans un groupe de 7-8 parce que ça nous obligerait à descendre notre ratio à 12 jeunes au lieu de 14. Donc, on devrait enlever, désinscrire 2 enfants pour mettre un enfant plus jeune dans un groupe de plus vieux. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, malheureusement. Je cède la parole à mon collègue Stratego qui va continuer avec le point numéro 2. Merci, Serpent. Alors, point numéro 2, arrivée départ. Les heures régulières du camp de jour n'ont pas changé cette année. Le camp de jour commence officiellement à 8h45. Fait que vous pouvez venir déposer vos enfants à partir de 8h45 le matin s'ils ne sont pas inscrits au service de garde.
S'ils sont inscrits au service de garde, l'ouverture du service de garde, comme dans les dernières années, est à 7 heures. Fait qu'on vous demande de ne pas trop arriver d'avance au niveau du débarquement des enfants à partir de 8h45, sinon ça crée vraiment de bouchons, ça fait de la confusion envers les parents qui arrivent pour le service de garde, les parents qui arrivent pour les journées, les enfants qui arrivent pour la journée régulière sans nécessairement être au service de garde. La journée finit, comme dans les dernières années, encore une fois, à 16 heures. Fait que vous pouvez commencer à venir chercher vos enfants à partir de 16 heures. À 16h15, le service de garde commence. Fait que attendez-vous à être dans le gros processus d'arrivée du départ des enfants entre 16h et 16h15. Cette année, on ne change pas la formule. On garde la formule qui est comme une station de débarquement. Là. À votre arrivée le matin, que vous soyez au service de garde, les parents peuvent débarquer et aller voir le responsable du service de garde, mais à l'arrivée des gens qui ne sont pas inscrits au service de garde, c'est important, on reste dans les voitures. On débarque nos jeunes dans les sections de débarquement. Il va y avoir des aides animateurs qui vont être là pour diriger vos jeunes jusqu'à l'entrée du camp. Le soir, on fait comme dans les dernières années aussi. On prend une file en rentrant dans le stationnement et un responsable va venir vous voir pour vous demander c'est qui votre jeune. Par la suite, il va l'appeler puis il va venir votre jeune va se rendre directement à la voiture pour quitter. Demande spéciale de l'équipe de responsables qui s'occupe des lignes pour vos enfants au départ. On vous demanderait d'apprendre le nom de votre l'animateur de vos jeunes cette semaine, durant les semaines qui viennent. Tout simplement parce que nous, sur notre formule de départ, nos jeunes sont séparés sur différents endroits. Puis sachant le nom de l'animateur, on peut directement diriger, appeler ou peu importe le jeune plus facilement. Départ anticipé, on vous demande de nous appeler si votre jeune doit quitter plus tôt. Appelez-nous, mais on vous demanderait par contre de ne pas nous appeler le lundi pour nous dire « OK, j'aimerais ça que mon jeune parte à 3 heures telle journée, je vais venir chercher mon jeune une autre journée à une autre heure. » On ne veut pas commencer à faire des horaires de départ de jeunes anticipés. Par contre, si vous nous appelez le jour même, c'est beaucoup plus simple pour nous d'avertir juste l'animateur que maman, papa va venir chercher le jeune un peu plus tôt. Absence, on vous demanderait si possible de nous appeler pour dire que votre jeune va être absent pour la journée avant le début de la journée de camp de jour, ce qui veut dire avant 8h45 pour que nous, on puisse prévenir nos animateurs le plus rapidement possible et qu'ils ne cherchent pas votre enfant le matin un peu partout. Fait que si votre jeune est malade, si votre jeune ne peut pas venir au camp durant la journée, on vous demande d'appeler assez tôt le matin pour que nous, on puisse faire le message plus rapidement. Dernier petit point qui n'est pas à votre ordre du jour, le Pédibus, nouvelle formule qu'on adopte cette année pour faciliter l'engouement qu'il y a au niveau du stationnement, de notre stationnement en fait. Il va y avoir un animateur présent au stationnement de l'école Montagnac du Lac, près de la porte 2. À 8h30 le matin, c'est le départ. Fait que vous pouvez venir porter votre enfant directement là. On vous demande de vous inscrire. Par contre, là, notre plateforme d'inscription, il y a une section Pédibus. On vous demande de vous inscrire si c'est quelque chose qui vous intéresse. À 8h30, c'est le départ. Fait qu'on vous demande d'arriver à 8h30, que votre jeune soit là pour 8h30 pile. Par la suite, notre animateur va descendre avec les jeunes jusqu'en bas du site direction le saisonnier. Et à 16h20, vos jeunes seront de retour au stationnement de Montagnac du Lac. Fait que c'est ça. Je pense que ça vient un peu résumer le Pédibus. Par contre, on tient à vous mentionner que si votre jeune n'est pas arrivé à 8h30, notre animateur va quitter et il ne sera pas possible de débarquer votre jeune en plein milieu de la rue pour qu'il vienne rejoindre le Pédibus. Ça ne fonctionnera pas de même. Nous, on part avec un nombre de jeunes puis on arrive avec le même nombre de jeunes rendus au camp. Fait que ça vient pas mal résumer le point numéro 2. Point numéro 3, c'est le point du service de garde. Date limite d'inscription au service de garde, c'est pas mal le dernier élément qui n'est pas fermé en ce moment sur notre site. Vous pouvez toujours vous inscrire pour le service de garde si ce n'est pas fait. Par contre, on vous demande de vous inscrire pas le vendredi avant la semaine désirée, mais l'autre vendredi d'avant. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas inscrit vos jeunes au service de garde pour la semaine 1, on vous demande de le faire avant vendredi cette semaine.
heures de service de service de garde, je l'ai dit tantôt. Alors, le service de garde commence à 7 heures le matin, finit à 8h45. À partir de 8h45, c'est la journée régulière qui commence. Fait que ceux qui sont en journée régulière peuvent arriver à partir de 8h45. Ensuite, la fin, bien, le service de garde. Le service de garde commence en après-midi à partir de 16h15 environ et finit à 18h. On vous demanderait de venir chercher vos jeunes avant 18h. S'il y a un retard causé, il va y avoir certains coûts reliés à ça. Je n'ai pas les coûts exacts, mais il y a un certain coût si vous arrivez en retard pour venir chercher vos jeunes. Dernier petit point pour moi, nouvelle formule d'animation. On a mandaté notre responsable de service de garde d'encadrer des activités plus dirigées au niveau du service de garde cette année. Ce qui veut dire que lors d'arrivée des enfants, lorsque vous allez arriver, il va probablement avoir des activités encadrées au niveau de vos jeunes. Par contre, il est certain qu'on restera même juste un service de garde, puis qu'on est en fin de journée. Des fois, les jeunes sont un peu plus fatigués, puis ils ne veulent pas faire l'activité. Ça se peut que vous voyez votre jeune un peu plus à l'écart ou un peu plus tranquille. On garde quand même une formule qu'on veut rendre agréable pour tous. C'est une petite demande qui a été beaucoup demandée auprès des parents de la dernière année. Fait qu'on essaie de s'accommoder pour vous. Fait que c'est ça. Je vais laisser la parole à Matériel C. Compète. Et merci beaucoup. On se voit plus tard. Donc, oui, merci, Stratégo. Donc, point 4, le matériel. Donc, c'est certain que votre enfant va avoir besoin là, de trucs pour tous les jours. Le matériel qu'on demande vraiment d'avoir à tous les jours, bien sûr, ce sera du linge en conséquence de la météo annoncée. C'est certain que d'avoir une veste ou des bottes de pluie selon la météo qui annonce, du linge court s'il annonce chaud. Une gourde, ça va être important. Il fait chaud l'été, vous le savez, donc c'est nécessaire. Nous, on ne pourra pas nécessairement donner une gourde à tous les jeunes, donc c'est ça, mais ils peuvent vraiment la remplir là, au besoin pendant la journée, il n'y a pas de problème. Ils vont avoir besoin, bien sûr, d'un dîner froid, idéalement avec de la glace. On n'a pas de la place pour les mettre dans les frigos pour tous les jeunes. Et des collations pour s'ils pensent avoir faim pendant la journée. On va aussi là, à la piscine ou au club nautique à tous les jours. Donc, ça va être important que votre jeune ait, bien sûr, son maillot de bain et une serviette avec lui pour tous les jours. C'est certain qu'ensuite, là, comme que je mentionne, c'est selon la température. C'est certain que si vous savez que votre enfant est plus jeune, on recommande de peut-être avoir du linge de rechange. C'est les 4, 5, 6 ans, des fois, ça s'échappe un peu plus rapidement que les plus vieux. Sinon, des bonnes espadrilles, on joue dehors toute la journée, on court, on saute, on fait de l'escalade, on fait du canot. Donc, c'est important d'avoir des bons souliers fermés ou au moins qui tiennent la cheville. Et c'est sûr qu'aussi, on demande autant que possible d'identifier les trucs de votre enfant, autant les vêtements que les plats, quoi que ce soit. Si jamais ça se perd, pour nous, c'est plus facile de savoir à qui ça va. Et bien sûr, vous allez avoir besoin aussi de crème solaire de chasse moustique. On ne veut pas des coups de soleil, on ne veut pas des piqûres. Donc, voilà. Au niveau des objets interdits, on est un camp de plein air, donc on ne veut pas aller faire des jeux vidéo, utiliser un iPod ou un cellulaire s'il y en a un. Idéalement, pas trop de friandises ou de trucs dans ce style-là. Pas de canifs ou d'objets qui peuvent amener avec de la violence. Et des cartes de jeu, par exemple Pokémon ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas mal ça. Au niveau du matériel, la liste que je vous ai dit un peu comme ça, elle est sur le site Internet. Donc, si jamais vous pouvez aller la relire là, quand vous descendez sur notre site Internet, elle est en bas de tout là, avec plusieurs autres petits documents bien importants. Au niveau des camps spécialisés un peu plus, là, par exemple, je pense au camp camping ou d'autres camps, c'est possible qu'il y ait du matériel supplémentaire et les listes sont aussi sur notre site Internet. Là, donc, vous pouvez y aller vraiment spécifiquement parce que je ne peux pas commencer à mentionner tous les camps. Là, c'est vraiment spécifique à chacun des camps. Donc, c'est pas mal ça pour le point 4, matériel. Je vais continuer sur le point 5, camp de jour. C'est moi aussi qui vais vous en parler. Donc, je n'ai pas besoin de passer la parole à personne. Votre animateur va communiquer avec vous là, à chacune des semaines
Ça va être soit un appel téléphone ou un courriel en fonction là, de ce que vous aviez mentionné lors de l'inscription que vous préfériez pour communiquer avec vous. Donc, on demande aux animateurs de communiquer avec vous maximum pour le samedi soir, juste avant le début de la semaine. Donc, l'animateur, premièrement, va se présenter. Donc, bonjour, je m'appelle Trompette et j'ai votre enfant dans mon groupe. Il va mentionner aussi là, le lundi à quel endroit va attendre votre enfant et bon, les petites informations comme ça. Si c'est un camp spécialisé aussi, là, il va mentionner, bon, ben, on a une sortie tel jour ou on a besoin de tel matériel spécifique pour le camp. Donc, des petits rappels comme ça. C'est un bon moment aussi si vous avez des choses à spécifier à l'animateur par rapport à votre enfant ou des questions, que ce soit par courriel ou par téléphone, là, c'est un très bon moment de communiquer autant pour lui que pour vous. Donc, n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Ensuite, nous, on a des activités cadres, donc que ce soit de l'escalade, du tir à l'arc, du canot, on a la fermette et plusieurs autres. Donc, tous les enfants vont en avoir au courant de la semaine, mais on ne peut pas avoir la capacité de dire que tous les enfants, tous les couples font tous les activités cadres dans la semaine. Donc, si selon selon le groupe dans lequel votre enfant est, donc si c'est un camp spécialisé, si c'est un camp de plein air, il n'y aura pas le même nombre d'activités cadres dans la semaine, mais ça va tourner autour de 1 à 3 activités cadres dans la semaine. Donc, juste par exemple, c'est certain que les 4 activités que je vous ai mentionnées plus tôt, aucun enfant ne va pouvoir avoir les 4 dans la même semaine. Une journée typique au CESO, c'est quoi? Bien, comme Stratego vous le mentionnait tout à l'heure, ça commence à 8h45. Donc, ensuite, on fait un petit rassemblement, tout le monde ensemble. Ça dépend des matins, mais tu sais, on a une thématique. Donc, souvent, ça va être un bon moment pour expliquer la thématique, faire des chansons. Bon, une petite activité de groupe comme ça pour bien commencer la journée. Ensuite, bien, tu sais, on a des jeux. Ça dépend toujours aussi là, de vraiment c'est quoi le camp de votre enfant. Parfois, il va y avoir des cliniques si, par exemple, il est inscrit dans un camp d'or ou de sport ou de peu importe. On a une collation au milieu de l'avant-midi. On retourne avec des jeux. Vers 11h30, midi, c'est l'heure du dîner. Donc, on prend vraiment au moins une demi-heure pour prendre le temps de bien manger calmement, de relaxer un petit peu. Et ensuite, l'après-midi, c'est un peu le même principe. On fait des jeux, on prend la collation au milieu d'après-midi et on retourne faire des jeux. Comme je vous mentionnais, on va avoir entre 1 et 3 activités cadres dans la semaine. Et normalement, là, on va au club nautique une fois par semaine, mais on va aussi à la piscine du CESO à tous les jours ou presque. On a aussi là, le vendredi après-midi qui est une journée spéciale. Donc souvent, ça va être une activité thématique. C'est tout le monde ensemble. Donc c'est vraiment une activité vraiment rassembleuse et amusante pour tous qui est adaptée à tous les groupes d'âge, bien sûr. Donc, au niveau d'une journée typique, c'est ça. C'est possible aussi là, que votre enfant ait des sorties. Donc, comme je viens de le mentionner, on va au club nautique une fois par semaine. Sinon, ben, selon son camp, donc par exemple, je pense au camp de monde marin, ben, les jeunes vont aller à l'aquarium une fois dans la semaine. Ce qu'on demande, vous avez reçu des chandails, nos beaux chandails rouges. Donc, lors des sorties, on vous demande de le porter. Donc, tous les jeunes doivent le porter. C'est plus reconnaissable pour nous, donc plus facile. Mais sinon, les jeunes peuvent porter le chandail au moment de leur choix. C'est vraiment plus pour avoir un souvenir puis qu'ils puissent le porter avec fierté avec nous. C'est pas mal ça au niveau de ce point-là. Donc, le camp de jour, suite, c'est encore moi. Donc, il y avait 2.5, mais on continue avec ça. Donc, en cas de pluie, à ce moment-là, nous, on va décider le matin tôt, avant le début du camp de jour, là, si on passe en plan pluie ou si on continue la journée. Peu importe, la journée va avoir lieu, là, ça, il n'y a pas de problème. Même s'il mouille, averse, nous, on va s'arranger pour que les jeunes soient à l'intérieur et on peut recueillir tout le monde. Peu importe que la journée soit en plan pluie ou en plan normal, on vous demande de déposer votre enfant au saisonnier comme prévu, même si, bon, il y a certains jeunes qui vont probablement être à Montagnac de la montagne. On a aussi une responsable des soins cette année, comme dans les dernières années, donc c'est Stitch.
Elle, c'est une infirmière, donc elle est présente sur le camp là, tous les jours. Et c'est elle qui va être présente au cas où on a des blessures ou quoi que ce soit. Et c'est elle aussi, là, justement, qui est attitrée pour donner les médicaments aux jeunes qui en ont besoin. Donc, si votre enfant a des médicaments à prendre, nous, ce qu'on demande vraiment, c'est de bien identifier l'enfant et c'est quoi la demande de quand on doit le donner. Et bien sûr, c'est ça, ça va être vraiment Stitch, notre infirmière, qui va lui donner. Et il n'y a personne d'autre qui est autorisé là, à le donner. Au niveau du code de vie, bien sûr, on a un code de vie. Premièrement, tolérance zéro au niveau de la violence pour ça. Sinon, c'est certain qu'on a quelques petits règlements, un peu comme à toutes les années, mais si je vous les mentionne rapidement, bien sûr, ça va être de respecter les consignes qui sont données par les animateurs, de participer aux activités, de surveiller les gestes, le langage quand je m'adresse aux autres, de faire attention au matériel, de ramasser les déchets, de les mettre à la poubelle, de rester avec l'animateur et le groupe, de s'habiller convenablement pour participer aux activités, comme on parlait un peu tout à l'heure, pendant le matériel, de s'exprimer calmement quand il se passe quelque chose, d'être de bonne humeur et souriant, on veut avoir du plaisir, d'être poli avec les animateurs et les autres enfants. Donc, c'est certain que vous comprendrez qu'il est interdit de sacrer, d'avoir un langage inapproprié ou irrespectueux, de frapper les autres ou de se battre, comme je disais, tolérance zéro au niveau de la violence verbale ou physique, de se sauver, de crier des noms méchants, de lancer des objets, d'être arrogant envers les animateurs, de briser du matériel ou de vandaliser le site ou les bâtiments. Si jamais vous voulez revoir cette liste-là, comme je disais tout à l'heure au niveau du matériel, elle est aussi sur le site, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et finalement, pour terminer mon point, on a aussi une intervenante, vous l'avez peut-être vu passer hier, on a affiché qui elle était, donc c'est Tropicana. Donc Tropicana est notre intervenante cette année. Dans le cas qui arrive des situations où est-ce qu'il y a besoin d'une intervention, que ce soit dans des groupes plus difficiles, qu'il y a des chicanes, quoi que ce soit, elle est là, donc c'est elle vraiment là qui va gérer cette partie-là. Et voilà. Donc, je vais laisser la parole à Serpent pour le sixième point. Et merci à tous. Avant de débuter avec le sixième point, il y a beaucoup de parents qui ont posé des questions à propos de la spine. D'ailleurs, c'est vrai qu'il n'y avait pas de point de valeur du jour à ce niveau-là. C'est très, très, très important d'en parler. Par rapport au test de l'âge, on va faire systématiquement un test de l'âge pour tous les enfants dont les parents ont inscrit dans la fiche santé que leur enfant de 7 ans et moins ne doit pas porter de VFI à la piscine. Nous, on ne prend jamais pour acquis, même si vous nous dites qu'un enfant de 7 ans et moins est capable de nager seul. Ça varie beaucoup en fonction du type de piscine et le nombre de gens qui peuvent se retrouver dans cette piscine. Il ne faut pas considérer que si votre enfant est capable de nager bien dans votre piscine à la maison, que ça va être nécessairement la même chose dans la piscine du saisonnier, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de bruit, il y a beaucoup de mouvements. Fait que des fois, il y a des enfants qui peuvent se sentir moins en confiance. En cas de doute, nous, ce qu'on va recommander, c'est d'inscrire dans la fiche santé de votre enfant qu'il doit porter une VFI et de nous appeler pour demander un test de l'âge. Vous devez nous appeler pour demander le test de l'âge. Soit la semaine précédente de camp ou la semaine même. Donc, pour la semaine qui commence le 27 juin, vous pouvez nous appeler par exemple le lundi pour qu'on demande à notre docteur de faire un test de l'âge à votre enfant. Si vous avez indiqué pour un enfant de 8 ans et plus qu'il ne doit pas porter de VFI, nous, à ce moment-là, on fait confiance en votre jugement et une VFI ne sera pas mise à votre enfant automatiquement. Par contre, même pour des enfants de 8 ans et plus, si jamais vous avez un doute, bon, votre enfant, on se sent même bien à la maison, mais vous n'êtes pas sûr qu'il va être à l'aise dans la piscine du saisonnier. Même chose que pour les plus jeunes, appelez-nous, on va lui faire faire un test de l'âge. Et en fait, inscrivez sur sa fiche santé qu'il ne doit pas porter, qu'il doit porter une VFI, parce qu'on prendra pas de chance. Puis appelez-nous pour qu'on lui fasse faire un test de l'âge pendant la première semaine.
19 auteurs, notre chef d'auteur, juge, après le dimanche, qui a rencontré dans notre poste, de ne pas emporter une à la piscine. À ce moment-là, on va simplement changer l'information dans sa fiche santé. Puis l'enfant va pouvoir ne pas porter de veste de sécurité à la piscine. Je ne me rappelle plus exactement là, le nombre de sauteurs, le nombre qu'on a à la piscine, le fait qu'elle complète, va pouvoir vous le mentionner. Là, après mon temps, il faut là, s'engager les sauteurs pour aller tous les noms. Mais on respecte là, toujours les noms minimums de sauteurs à la piscine, si certaines journées, pas plus là, déjà. Il y avait des gens aussi qui demandaient s'il y avait des tests de manche qui avaient été passés par une centre à la ville et qui étaient dans d'autres municipalités, étaient valides, non malheureusement. De un, parce qu'on n'a pas la paix, de deux, parce que ce n'est pas la même piscine, ce n'est pas les mêmes circonstances. Donc, même si votre enfant a passé un test de manche par exemple à la ville de Québec, c'est un test de manche qui fait des années qu'il ne le passe pas, malheureusement, on peut venir faire ça. Nous, on se fie au jugement de nos co-parts. On constate que c'est des personnes plus qualifiées pour décider si votre chaîne est en mesure de déranger sécuritairement dans la piscine ou pas. Je vois qu'il y a quelqu'un aussi qui m'a dit à quoi qu'on se teste de nage. C'est vraiment simple. On va dans la partie creuse uniquement, puis on demande à l'enfant de faire un aller-retour sans avoir à déposer ses pieds en question. Il ne faut pas qu'il veuille aller déposer ses pieds dans le fond. Il ne faut pas qu'il se serve de sa tête comme pour flotter. Il faut qu'il soit capable de faire l'aller-retour sans prendre de pause. Donc, ça nous permet de juger si notre tête est capable, dans un moment de détresse, si on veut, d'être en mesure par lui-même d'aller sur le rebord d'une piscine de sang épuisé ou expliquer qu'il n'y a pas de chance. Les vestes de sauvetage sont toutes fournies par les saisonniers. Donc, nous, c'est nous, les animateurs, qui vérifient avec les fiches santé, l'information que vous avez mis dans la fiche santé. Ça, c'est toutes des choses qui sont imprimées avant la semaine de camp, qui sont données aux animateurs. Fait qu'ils vont à la piscine vérifier la fiche santé de chacun des enfants pour voir si tel ou tel enfant va porter sa veste de sauvetage. Si c'est marqué oui, puis que l'enfant s'obstine ou non, malheureusement, l'enfant va en porter une, il va être obligé d'en porter une. S'il revient à la maison, qui est fâché, qui est qu'on l'a obligé à mettre une veste de sauvetage, vous pouvez nous appeler pour demander un test de nage à ce moment-là si l'enfant juge qu'il est en mesure de marcher sur elle. Puis après ça, ben, nous, on va décider là, sur le test de nage pour si vous allez continuer à continuer ou pas. Donc, vous n'avez pas là, besoin de fournir des vestes de protection et de faire votre contact. Donc, on fait que c'est quand même une bonne place pour considérer que vous n'avez pas besoin de faire ça. Il y a une question aussi par rapport au moment du test de nage. Le test de nage, ça peut se faire n'importe quel temps durant l'été. Donc, que votre enfant commence la première, la deuxième, la troisième, la quatrième semaine, appelez-nous le premier lundi de sa première semaine, on va s'étudier un test de nage. Ça serait vraiment pour notre été. Puis pour un enfant, par exemple, qui aurait échoué le test de nage la semaine 1, puis après peut-être quelques semaines de pratique, vous pouvez en refaire un à la semaine 3 ou 4, par exemple, vous pouvez nous rappeler pour nous demander au deuxième test de nage. C'est légitime, on va le faire. Rappelez-nous pas par contre la semaine d'après, ça ne vaut pas la peine, on va aussi dire. On va considérer qu'il n'y a pas eu encore assez de pratique, marché peu. Donc, on demande au moins 2 ou 3 semaines, nous, en fait, de test de nage pour en faire un test de nage. Je vais continuer avec le point numéro 6, qui est le point de recommandation COVID. Pour ceux qui arrivent lors du jour de la dernière, c'est marqué lors du COVID. Cette année, on a changé volontairement pour recommandation COVID, car il n'y a plus de normes en tant que telles obligatoires à respecter. Nous, c'est sûr qu'on va continuer à encourager la vie du enfant à se laver les mains, à se laver tout ce qu'on peut faire dans la matinée. On va essayer aussi, quand même, le plus possible de ne pas mélanger les coupes entre eux pour éviter certains contacts. Il n'y a pas de port de masque obligatoire, autant pour les jeunes que pour les animateurs, y compris dans le transport. Donc, vous n'avez pas besoin à aucun moment de fournir un masque à votre enfant. Par contre, si vous désirez que votre enfant porte un masque, il est dans ses doigts absolument, il n'y a personne qui va l'empêcher de porter un masque. Donc, c'est vraiment à votre discrétion à ce moment-là. Distanciation, il n'y a plus non plus de distanciation obligatoire. Donc, on n'adapte pas nécessairement les jeux en provenance d'une distanciation, étant donné que c'est plus obligatoire.
c'est beaucoup plus facile pour nos consommateurs, beaucoup plus plaisant aussi pour les gens de faire des choses en forme de vidéo. Ensuite, objet perdu. Point très, très important parce qu'on recueille une tonne d'objets perdus à toutes les années. C'est sûr que nous, on essaie de sensibiliser le plus possible nos animateurs, de vérifier à chaque fois qu'ils partent d'un endroit, de vérifier en arrière de voir que tous les enfants et avec eux tout leur matériel. Mais bon, malheureusement, ça va être quand même qu'on avance à l'expérience. Cette année, en raison de la pénurie de main-d'œuvre, on a fait un plan pour être en mesure de fouiller pour trouver des objets perdus. Ça, ce que ça veut dire, c'est que si même si vous nous appelez, vous nous écrivez un courriel pour dire mon enfant a perdu tel ou tel objet, malheureusement, on ne pourra pas aller vérifier pour vous dans nos bacs. Il va falloir vous déplacer vous-même, soit en attendant quand vous portez votre enfant, quand vous l'avez déposé. Il y a un autre stationnement là, à côté du bureau de l'administration. Vous pouvez tout simplement vous stationner à cet endroit-là. Puis les objets perdus vont tous se trouver. Vous avez les portes de l'ancienne piscine intérieure, si vous, pour ceux qui savent, elle était où. Pour ceux qui ne savent pas, c'est où? C'est juste à côté des bureaux administratifs. Il y a un petit parc avec des jeux pour enfants, là, des balançoires, des petites tables à pique-nique et tout. C'est vraiment à l'entrée du site. Puis, les objets perdus vont se trouver exactement à cet endroit-là. Tu sais, j'avais pas pour vous appeler si vous n'êtes pas sûr de l'endroit à vous présenter, là, si jamais votre enfant par un objet que vous voulez aller voir. Là. Ça, je n'ai pas, ça va vous faire plaisir de répondre à vos questions. C'est juste qu'on a vraiment pu extendre pour aller récupérer les objets que vous n'avez pas. On s'encourage tout de même à identifier tous les objets de votre enfant. On ne sait jamais là, si à un moment il y a un employé qui a pour X raisons, on est en ligne pendant sa journée, puis il est capable d'aller rappeler certains objets, mais ça sera pas tant mieux. C'est sûr que si un objet n'a pas de nom, ça va être quelque chose qui sera impossible à faire dans le temps. Puis aussi, c'est pour éviter, par exemple, les chandails de camp small, medium, ils ont tous le même. Fait que c'est sûr que s'il perd son chandail de camp, ça va être beaucoup plus facile si vous mettez son nom à l'intérieur. Si vous arrivez dans la section des chandails de camp perdu, mais là, vous allez savoir que celui-là, c'est le vôtre, vous ne prendrez pas celui de votre enfant. Ensuite, le bazar d'objets perdus, c'est quelque chose qu'on fait depuis 2 ans. L'année dernière, il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont présentés, malheureusement, mais l'année d'avant, il y avait vraiment beaucoup de gens qui étaient venus. C'est peut-être le moyen de communication que les gens qui avaient manqué l'information. On va quand même faire un bazar d'objets perdus. Généralement, c'est la fin de semaine après la dernière semaine de camp ou l'autre d'après où on va tous adopter les objets perdus ensemble. Puis on va vous inviter, excusez-moi, à venir voir sur place si certains jours d'objets perdus se trouveraient. Toute la date va être annoncée, moi, en tant que vie, par la vie. Moi, de mon côté, c'est vraiment terminé. On s'est rendu à la période des questions. Fait qu'on vous invite peut-être à lever la main dans Zoom pour poser des questions, là, pour pas que tout le monde pose la question en même temps. Puis on va vous céder la parole là, à la fin. Si vous êtes gêné de poser des questions verbalement, vous pouvez l'écrire dans le chat aussi. On va vous répondre assez rapidement. Pour les autres qui n'ont pas de questions, on n'hésite pas à vous dire au revoir et on a bien hâte de vous voir cet été. J'en ai une, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Oui, je me demandais, moi, mon petit bonhomme de 4 ans, je le débarque. Parce que moi, je ne suis jamais allée là, aux saisonniers. Je le débarque aussi au débarcadère. Me rentrer avec lui. Il n'y a vraiment pas d'exception. C'est vraiment pour toutes les années du camp, dans le fond. En fait, on demande vraiment le plus possible que les parents laissent les enfants. Vous allez le voir cet été quand vous allez être au niveau du stationnement. Vous allez voir, il va vraiment avoir des zones
piétons avec des animateurs qui vont super bien encadrer vos jeunes. Là, au nombre de personnes qui débarquent à la minute, là, vous allez voir, ils vont super être bien guidés. C'est certain que votre enfant qui a 4 ans, première journée, vous pouvez débarquer avec les jeunes. On fait des exceptions. Là, on n'est pas cruel là, au point de dire que vous n'allez pas voir où votre enfant de 4 ans va passer ses journées. C'est juste que peut-être à partir de la deuxième journée, ça va être plus simple de le laisser débarquer comme les autres. L'endroit où se trouvent vos enfants est directement à l'entrée du site au début de la journée. Fait qu'il est impossible pour vos jeunes, les jeunes de cet âge-là de ne pas passer par la zone où ils vont être. Fait que vous n'avez pas à vous inquiéter à ce niveau-là. C'est super simple pour le groupe des Girouettes. Puis j'avais une autre petite question. Est-ce qu'il y a une case, exemple, qu'on peut laisser son stock pour la semaine, mettons, veste de pluie, bottes d'eau, ou pour tout le temps ramener à chaque jour? Ils ont une case à titrer à eux? Malheureusement, oui. Ça va être important de tout mettre dans le sac à dos à chaque jour et le ramener le lendemain, tout simplement parce qu'on n'a pas 650 cases de casier. C'est bon. On n'a pas 650 cases de casier, malheureusement. C'est bon. Merci. Bienvenue. Marie-Ise Bergeron. OK. Vous m'entendez bien? Oui. OK, super. Moi, je voulais savoir, là, est-ce qu'il y a des autobus qui montent là-bas ou on est obligé de les mener? Je voulais savoir. Parce que j'ai manqué un petit bout de la réunion, fait que je n'ai pas tout écouté. Pour les journées de pluie? Non, mais mettons que comme un autobus scolaire, là, un autobus qui sera à votre camp de jour. En fait, le Pidibus, c'est comme une abréviation pour dire que c'est comme un autobus à pied. Il y a plusieurs personnes ça va être comme en rang, qui vont se déplacer dans la piste cyclable, qui va descendre de Montagnac à la base de plein air le matin. Ça fait juste épargner le fait qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de voitures dans le stationnement du saisonnier le matin, puis on voulait réduire cet engouement-là pour vous. Okay. Fait que si vous habitez plus proche de Montagnac, puis que ça peut vous éviter de descendre au site, attendre 15 minutes, puis les débarquer au Pédibus, puis que ça vous prend 2 minutes, puis vous êtes sur votre chemin, vous partez sur le boulevard du Lac après ça, puis vous êtes parti. Inscrivez votre jeune au Pédibus, ça va être beaucoup plus simple à ce niveau-là pour que votre enfant se rende au camp. OK, ça marche aussi. Bienvenue. Bouchard, on a juste ça comme nom en ce moment. Oui, bonjour Marie-Ève. C'est notre première expérience aussi. Puis là, c'est ça, je me posais la question au niveau du chandail. J'ai posé la question dans le chat. Là. On me disait, dans le fond, c'était simplement pour les sorties, mais je fouillais pour voir l'horaire. Là. Dans le fond, c'est quelle sortie? Il y a des journées qu'il y a des sorties dans les camps. En fait, on vous offre le chandail de camp gratuitement chaque année, mais ce n'est pas une obligation de le porter au centre de plein air de saisonnier à chaque jour, ni une fois par semaine. Fait que c'est vraiment plus un élément qu'on vous donne, mais il est important que si à l'horaire, votre jeune a un camp spécialisé avec une sortie, ça serait important qu'il porte cette journée-là pour qu'on soit capable de le reconnaître de loin ou peu importe pour l'encadrement du groupe. Mais sinon, il n'y a aucune obligation à devoir porter le chandail durant l'été. OK. Parfait. Ça dépend vraiment, en fait, là, des camps dans lesquels vous l'avez inscrit. T'sais, si c'est juste du plein air, il n'y aura pas de sortie, mis à part le club nautique. Oui, c'est ça. Je pense qu'il est en grandeur nature, okay. Une semaine ou deux. Puis sinon, après ça, c'est le camp standard, il y a 6 ans. Là, donc, on n'avait pas accès à plein de camps spécialisés. Là. Fait que je pense pas qu'il y ait de sortie. C'est pour ça que je voulais juste être sûre de bien comprendre. Et je voulais juste spécifier aux gens qui sont encore là en ce moment, votre jeune a fort probablement, si en plein air, il est inscrit, une période de club nautique, il n'est pas obligé d'apporter le chandail pour le club nautique. On s'entend qu'on est encadré, c'est une zone qu'on pourrait dire annexe au camp. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une grande clientèle autre qui se pointe au club nautique. Fait que pas besoin d'apporter le chandail à chaque journée du club nautique. Karine. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui. Parfait. Je suis allée sur votre site Internet puis je tente de trouver la liste des activités auxquelles mon fils est inscrit. J'ai écrit là, à la mitaine, là, mais
Y a-t-il moyen d'y aller? Je vois juste mes périodes de service de garde d'inscrits. Je vais laisser Myriam répondre à cette question. Vu que je n'étais pas fatiguée, mon inscrit nous a fait de même pendant les heures, je l'ai fait au bureau parce que là, c'est difficile de l'expliquer. C'est vraiment ça par ça dans ces cas-là. Est-ce que vous êtes en mesure de nous appeler pour s'en venir pour l'heure demain? Oui, 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 pas de problème. J'en ai un de 17 ans qui a fréquenté votre. Puis, si je peux rassurer les gens qui sont à l'écoute en ce moment, que c'est leur première expérience, c'est extraordinaire. Mais là, j'en ai un de 6 ans, fait que je me suis fait un petit refresh ce soir. Fait que oui, je vais vous appeler demain. Merci. Parfait, merci. Est-ce qu'on avait d'autres personnes avec des questions? N'hésitez pas à les poser, c'est le temps. Pour les 6 ans, oui, il y a de la piscine. En fait, tout le monde y va, même les 4-5 ans, à tous les jours. Oui, Sophie, pour répondre à ta question, il y aura une rediffusion. On a enregistré la rencontre pour que vous puissiez la réécouter dans les prochains jours. D'ailleurs, ça fait penser que la personne qui a demandé la question pour la période de piscine pour les plus jeunes, là, pour les girouettes, peu importe, là, on ne fait pas passer de cette âge, on leur met une liste de préférence obligatoire. Donc, même si vous nous appelez pour vous mettre cette âge pour les 4 à 5 ans, malheureusement, on ne sera pas le temps qu'on leur met quand même une liste. C'est pour simplifier la gestion de la période de piscine de ces groupes-là. Pour donner une précision à ceux qui étaient là durant la rencontre, lorsqu'il y a une journée de pluie, nous allons apporter vos jeunes à Montagnac et nous allons les ramener avant la fin de la journée. Fait qu'il n'y a aucun débarquement, aucune occasion qui fera en sorte que vous montiez à Montagnac, la montagne, pour venir récupérer vos jeunes. Autant l'arrivée que le départ se fait au centre de plein air de Sydney. On avait une question disant que nous pouvons débarquer seulement la première journée. On ne vous conseille pas de débarquer la première journée. En fait, si votre enfant n'est pas dans les girouettes, on ne vous conseille pas de débarquer. En fait, débarquez votre jeune. Puis par la suite, nous, on va s'occuper de votre jeune. En fait, c'est la première journée, vous débarquez, vous êtes 150 à débarquer. On ne sortira pas du stationnement. Tout le monde a perdu grandement notre temps. Ce qui veut dire, si vous êtes dans les girouettes, ils peuvent avoir certaines exceptions. Si votre jeune est accompagné, il peut avoir une exception pour aller rencontrer l'intervenante s'il y a des questions ou autres. Par contre, on vous conseille vraiment de rester dans la voiture, même qu'on l'exige vraiment beaucoup, parce que sinon, on ne s'en sortira pas pour la première journée. Anne-Julie. Oui, vous comprendrez que je suis sur l'ordinateur de ma blonde. Oui. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des sports à vélo, si on veut y aller en vélo, mettons, pour laisser des bicyclettes sur place? Certainement, oui. On a des sports à vélo depuis les dernières années. Fait qu'il n'y a aucun problème. Si votre jeune veut venir à vélo, on a une place pour entreposer vos vélos. Merci. Bienvenue. iPad 2 Nat. Oui, bonjour. J'avais posé une question dans le clavardage, mais je ne pense pas avoir une réponse. Je voulais savoir si on parlait de repas froid en début de rencontre, mais si on va envoyer un thermos avec un repas chaud, j'imagine qu'il n'y a pas de problème. C'est juste pas les micros. Exactement. C'est les mêmes règlements qu'un lunch d'école. Par contre, les micro-ondes ne sont pas disponibles. Merci beaucoup. Et petite précision que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure par rapport au lunch, là, bien sûr, on essaie d'éviter, on évite les allergènes classiques, les arachides, les trucs comme ça, simplement pour éviter d'avoir des crises d'allergie. On n'a pas envie d'avoir cette gestion-là. Elles sont totalement interdites. Oui, c'est ça. Les arachides et noix, c'est totalement interdit. Ne devez pas en mettre dans le Oui. Plusieurs personnes risquent de nous poser la question. Les œufs est un allergène qu'on retrouve assez souvent, mais on l'accepte pareil au camp. Pour répondre à la question de Isabelle dans le chat, là, au niveau de l'ACREPA,
En fait, là, oui, si c'est inscrit à la fiche santé de vos enfants, l'animateur, oui, va être au courant. Et ça ne sera pas nécessairement, par contre, un groupe là, majoritairement d'enfants d'AKEPA, dans le sens que s'ils n'ont pas le même âge ou quoi que ce soit, ils ne seront peut-être pas dans le même groupe. Mais selon les spécifications là, mentionnées dans les fiches santé, oui, les animateurs sont au courant là, pour mieux être outillés à aider vos enfants. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Oh, Véronique? Oui, j'aurais une petite question. J'ai peut-être manqué les premières minutes concernant les amis. Est-ce qu'on peut demander que notre enfant soit avec un ami? Supposons qu'on le sait qu'il est inscrit au même camp pour qu'il soit dans le même groupe. Oui, effectivement, là, on en a parlé au début, mais pour répondre à la question, là, oui, vous pouvez demander. En fait, c'est dans la fiche santé de votre enfant que vous avez probablement là, répondu lors de votre inscription. Donc, oui, vous pouvez le demander. Mais c'est certain que, comme disait Serpent tout à l'heure, si, par exemple, c'est un enfant de 7 ans et un enfant de 10 ans, ça va être plus compliqué de les mettre dans le même groupe étant donné qu'ils n'ont pas le même âge. Merci. On avait une question au niveau des épipènes dans le chat. Je ne sais pas si ça avait été répondu. Sinon, on va y répondre. J'ai répondu en privé, mais ça serait très pertinent là, d'en parler. En fait, il y a beaucoup de choses à faire. Pour terminer, les épipènes, on demande de les placer soit dans le sac à dos ou soit dans la boîte à lunch. Pas besoin d'avoir dans un sac à la taille en permanence, parce que les risques, surtout pour les allergies alimentaires, sont durant les collations et les repas. Par contre, si votre enfant a une allergie pauvre, par exemple, je ne sais pas, ou gagne tout, de demander un épipène dans ces situations-là, mais alors elle est plus pour un sac à la taille, mais sinon, dans le sac à dos ou dans la boîte à lunch, c'est tout ça. Il est certain aussi à ce niveau-là que s'il se retrouve dans un sac, puis c'est une allergie au niveau des piqûres ou peu importe, puis ça dégénère, notre responsable aux soins a des épipènes adaptés pour les enfants ou des épipènes pour adultes, là, tout dépendant de la dose qu'il faut administrer à votre enfant et son âge. Fait que s'il se retrouve dans un sac à l'autre bout du camp, puis qu'on en a une plus proche, puis que ça nous épargne de chercher, vu qu'il y a une urgence, on peut y administrer un de nos épipènes à nous aussi. Je pense qu'on est rendu au bout des questions. Parfait. Ça fait plaisir, Véronique. Merci beaucoup, tout le monde, pour votre part à la rencontre. C'est le fun de voir autant d'intérêt quand on fait une activité du genre qu'on donne notre temps là, hors des heures d'ouverture régulières. Là. Donc, merci vraiment tout le monde. Puis, c'est quand même pas, là, si jamais il y a des questions qui viennent après la rencontre, ça me fait toujours super plaisir de répondre aux questions par téléphone ou par courriel. Le numéro de téléphone, c'est le 418-849-221-1701. Sinon, le courriel, c'est information@commercial.net. Information par texte. On a une dernière question au niveau du port du flotteur au lieu du VFI. Nous, théoriquement, si admettons, on demande d'un port de VFI, on va demander le port d'un VFI et non d'un flotteur pour être équitable, un, pour tout le monde, puis deuxièmement, c'est ce qu'on fournit, puis deux, c'est ce qui est le plus sécuritaire au niveau de sécurité pour la piscine. C'est aussi pour éviter là, les pertes d'objets, si par exemple vous l'emmenez de la maison ou quoi que ce soit. Là, donc, on ne préfère pas. Exactement.
Je veux juste préciser aussi que nous pouvons fournir les VFI aussi. Là, si votre jeune veut arriver avec un VFI, ils peuvent arriver avec un VFI. Mais nous, on a un stock de VFI pour les personnes qui en ont besoin. Autant Club Nautique aux Cézanne. Non, mais c'est parfait. Encore avec ça, merci beaucoup. Bonne fête soirée. Au revoir. Bonne fête soirée.